Laurent Labéry, je suis un ancien professeur d'université et chercheur au CNRS et j'ai été responsable de nombreux programmes internationaux sur le changement climatique. J'ai fait toute ma carrière sur le changement climatique, le passé, le présent et le futur. Non, mais en fait, bon, j'ai eu la chance et la malchance que j'ai fait toute ma carrière scientifique entre la découverte de l'influence de l'homme sur le climat des années 70, c'est là où j'ai passé ma thèse, jusqu'au GIEC, et puis maintenant où on sait que ça s'accélère de plus en plus et qu'on n'a plus le temps d'attendre. Mais par contre, ma conférence, c'est pour montrer que on n'a plus le temps d'attendre, mais on peut agir et il suffit de vouloir. Alors justement, agir, voilà, il y a beaucoup de gens qui agissent aujourd'hui. Il y en a eu à la COP, notamment la dernière, la COP 24. Il y a justement les experts du GIEC, il y a la mobilisation des citoyens, des scientifiques, il y a eu Nicolas Hulot qui a démissionné. Donc est-ce que le changement climatique, qui semble être quand même au centre de l'urgence à agir, comme vous le dites, est-ce que vous pourriez nous rappeler quelles sont les prévisions justement sur la fréquence des catastrophes naturelles, l'augmentation des températures, la montée des eaux. Alors très brièvement, parce qu'en fait je ne peux pas revenir sur toute la science qui est derrière, je pense par contre très brièvement, déjà ce qu'on peut dire c'est que il faut pas hésiter à considérer que toutes les critiques de type climato-sceptique, la plupart c'est dû à des gens qui ont peur du changement et qui cherchent des raisons pour. Dans eux, ils sont honnêtes, mais ils ont peur du changement. Et par rapport à ce qui se passe autour de nous, quand nos références disparaissent, hein, ce monde qui se prépare à être complètement différent du monde actuel, ben, la réaction humaine, c'est soit on en a peur et on se cache, soit on l'ignore et on pense à autre chose. On pense à ses enfants, on pense à autre chose. Et ça, c'est la réaction humaine. Et en plus, quand on dit ça va être une catastrophe, ben, la réaction humaine est encore plus, on en a encore plus peur. Et statistiquement, il y a 10%, 15% des gens qui sont prêts à agir, qui sont prêts à résister, qui sont prêts à se battre, etc. Mais c'est une minorité par rapport à la population. Or, les changements futurs, c'est tout le monde, il va falloir s'adapter, parce que sinon, si on ne s'adapte pas, on va souffrir. Par contre, si on s'adapte, les changements ne sont pas catastrophiques. Il faut vraiment imaginer que la Terre, on peut parler d'abord de la Terre et après de la Bretagne, la Terre, elle va chauffer. Là, on est parti, quoi qu'on fasse, hein, on est parti pour un réchauffement de l'ordre de 3 degrés, entre 2 et 3 degrés pour 2050 et autour de 4 à 5 degrés pour 2100. Qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire que, par exemple, 2105 degrés, c'est-à-dire que la température moyenne de la Terre maintenant, c'est 15 degrés. Entre les points les plus chauds de la Terre qui sont autour de 50, les points les plus froids qui sont autour de moins 50, la moyenne c'est à peu près plus 15 degrés. En augmentant l'effet de serre, tel qu'on l'augmente maintenant, on va passer 5 degrés plus chaud. C'est-à-dire que la moyenne de température moyenne de la Terre sera 20 degrés. Les points les plus chauds resteront pareils, parce qu'eux ils sont saturés en chaleur, mais c'est les points les plus froids, les pôles et autres, qui seront plus chauds. À nos latitudes, on va en gros monter de 5 degrés. Ça veut dire quoi? Que notre climat sera en gros celui du sud du Portugal. Il n'y a pas de catastrophe, hein. C'est un beau pays. L'eau sera agréable de se baigner, ça va attirer tout le monde. Par contre, au Portugal, le climat sera le Sahel. Là, ça sera déjà moins agréable. De même en Espagne, de même en Italie du Sud. C'est pour ça que, en fait, notre région de la France, et en particulier la Bretagne, parce qu'on a quand même l'océan qui tamponne les élévations de température autour, on va être totalement privilégié. Mais si on se contente de dire, ah, on est privilégié, c'est bien, ce sera bien effectivement pour les touristes, mais les agriculteurs, c'est toutes les plantes actuelles ne correspondent absolument pas aux plantes qui poussent au Portugal en ce moment. Hein, il faudra changer nos cultures, hein, il faudra mettre des oliviers à la place des artichauts. Hein, les artichauts et le maïs, on les fera en Norvège. Donc, c'est pas parce que ça sera un climat optimal qu'il faut pas quand même tout changer d'ici là. Or, le problème, c'est que ça va pas être année par année, un demi-degré, un demi-degré, puis on se dit, ah bah tiens, on va y aller. Le problème, c'est que ça va être une succession d'extrêmes qui seront de plus en plus fréquents. On aura des pluies exceptionnelles au printemps et à l'automne. On aura, comme on n'en a jamais eu avant, on aura des chaleurs exceptionnelles comme on en a eu
peut-être une fois dans notre histoire, peut-être 2003, on l'aura de plus en plus souvent. On aura des sécheresses exceptionnelles comme on n'en a jamais eu dans notre histoire. Le niveau de la mer, avec les tempêtes hautes, va monter plus haut qu'il n'est jamais monté dans notre histoire. Donc tout ça, on peut s'y préparer, simplement en se disant, bon, dans les 10 prochaines années, les chances sont très faibles que ça arrive. Puis 10 années suivantes, elles seront plus fortes, puis elles seront encore plus fortes, les fréquences vont s'augmenter. Donc ça nous laisse le temps de dire, bon, on met ça en priorité, comme on investit pour l'armée en pensant en avance, on investit pour l'éducation en pensant en avance, on éduque des gosses pour qu'ils soient adultes, ben, il faut investir sur le climat dans le même paquet. Au lieu d'investir sur 1 an ou sur 2 ans, il faut dire on investit sur 10 ans ou 20 ans. Donc c'est un choix politique, mais c'est un choix individuel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en démocratie, et en démocratie, ben, c'est des élus. Et les élus, en gros, ben, ils essayent de trouver le point commun, je dirais le plus petit multiplicateur commun, ils vont changer que vraiment s'ils n'ont pas le choix, parce que les gens qui n'arrivent pas à changer. Regardez le problème qu'on a actuellement avec l'effort du gouvernement pour se sortir un peu des dépendances au pétrole et les manipulations que font les pays d'Arabie Saoudite ou autres avec le prix du pétrole, hein, d'augmenter les énergies renouvelables. Bon, c'est bien gentil, mais regardez, aussitôt, on a les responsables de Peugeot ou Citroën qui disent que ça va faire des dizaines de milliers de chômeurs. C'est-à-dire, on a une inertie dans le système, et c'est celle-là. Il faut dire non, c'est pas vrai, il n'y aura pas les chômeurs parce qu'on fait un effort énorme pour la conversion. Ça, c'est condamné, mais on peut faire autre chose. Il ne faut pas refaire l'erreur qu'on a fait avec le Minitel. La France était totalement en avance sur le problème des réseaux d'information par téléphone quand on a développé le Minitel. Mais ce qu'il y a, c'est que les Américains ont dit, bah, tiens, on va faire mieux. 4 ans après, ils avaient fait beaucoup mieux, ils avaient créé Internet. Et nous, au lieu de dire, ben, on va laisser tomber le Minitel, on a attendu 5 ans de plus. Donc on a perdu le marché. On n'existe plus sur le marché des réseaux internationaux parce qu'on n'a pas réagi assez. Et la faute, ce n'est pas les politiques, la faute, c'est notre système où on dépend d'experts, on dépend de décisionnaires, la plupart qui sont formés dans des grandes écoles. Et c'est un processus où les profs, ils enseignent ce qu'ils ont appris quand ils étaient jeunes. C'est un processus qui nous fossilise. Nos grandes écoles, qui étaient la fierté autrefois, elles sont très bien à temps complet, elles font des grands experts, mais quand il faut changer, elles n'ont pas assez de dynamisme. C'est pour ça qu'en France, la France prend du retard, mais c'est de notre faute. Hein, c'est aux enseignants de prendre les choses en main, c'est aux politiques, c'est aux individus de prendre les choses en main en disant, bon, ben, nous, on va planter des arbres sur Quimper parce qu'on aura besoin d'arbres dans 30 ans, il faudra faire de l'ombre partout. On a besoin d'avoir l'autorisation de garder nos eaux de pluie et de pouvoir l'utiliser, de faire des bassins de stockage partout, de développer des petits jardins partout. Car il y a plein de choses qu'on peut faire. Tout à fait. Mais alors, du coup, ici en Bretagne, justement, comme vous le disiez, l'agriculture va être vraiment impactée. Il y a les zones littorales aussi qui vont être impactées. Oui. Il y a eu une COP Bretagne, donc est-ce que vous avez été invité, je crois? Est-ce que le système en Bretagne, il est fossilisé ou bien est-ce que la COP Alors, a des avancées la plausibles? COP, la Brescop, en fait, c'est un nom breton pour un processus national qui s'appelle le SRADDET. C'est les schémas régionaux d'adaptation au changement climatique. Et ces SRADDET, la Bretagne n'est pas spécialement en avance. Il y a de la bonne volonté. Je suis la référence scientifique pour le conseil scientifique de ce SRADDET. Donc je suis vraiment dans le processus et je vois ce qui se passe. Et il y a plein de bonnes volontés partout. Le responsable de l'environnement, là, Thierry Burlot, fait vraiment ce qu'il peut pour que ça avance. Mais on est totalement prisonnier des dynamiques à court terme. Il faut absolument pas que développer le chômage, etc. Et ces dynamiques à court terme, ben, bloquent un peu l'ambition. Et un des problèmes actuellement, c'est justement ça. Mais la Brescop est là dans son processus d'avancée. Il y a d'une part une enquête publique, d'autre part, il y a tout un processus où les associations peuvent intervenir. Il y a eu des réunions avec les élus. Tout le monde peut intervenir. C'est un processus dynamique. C'est pas fossilisé. Mais par contre, il faut le faire. J'ai participé à plusieurs des réunions là, de discussion autour de la Brescop. C'est très intéressant, mais il n'y a pas assez de gens qui ont des convictions, qui sont moteurs,
qui sont impliqués à ça. C'est un peu facile, bon, on le voit avec le problème des gilets jaunes, c'est un peu facile de laisser les choses se sortir en dehors et puis dire, ah, il faut faire, il faut faire. Le problème, c'est que les gens veulent plus s'engager dans les processus démocratiques, veulent plus s'engager. Or, qu'est-ce qu'ils ont à offrir en échange? On ne veut pas de dictature, on n'a pas envie d'avoir de Bolsonaro, on n'a pas envie de choses comme ça. Il faut, c'est à nous d'agir. Et on n'a pas besoin de prendre des couteaux, on a besoin simplement de participer au système démocratique. Si les municipalités réunissent pas des conseils, des communaux ouverts pour discuter vraiment avec les quartiers, etc., ben on tape du poing sur la table et on dit nous on veut des conseils du quartier, on veut réfléchir, on veut avancer. C'est à nous de prendre de dire on existe, on a des sensibilités, on a des idées, on a envie de faire les choses. Alors, par exemple, il y a le scénario Negawatt, qui est une association aussi Oui. qui, justement, est très active et qui propose un scénario qui repose sur sobriété, efficacité, renouvelable. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi consiste ce cercle vertueux et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour arriver à 100% de renouvelables en 2050 comme ils le visent et donc pour sortir des fossiles, des énergies fossiles et éventuellement du nucléaire? Alors, il faut faire attention, et là je considère qu'on se fait un peu avoir. C'est-à-dire que, et les écolos sont pas les meilleurs pour faire passer le message. Les actions qu'on peut avoir en France autour de l'énergie, c'est pas ça qui changera le climat. On est un trop petit pays, et même au niveau de l'Europe, hein, tant que l'Inde a besoin de se développer, tant que la Chine a besoin de se développer, tant que l'Afrique a besoin de se développer, on va mettre de plus en plus de gaz carbonique dans l'atmosphère. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est faire pression au niveau gouvernemental international, les COP, hein, pour que, y ait des transferts d'argent, hein, des financements des pays en développement pour les aider à développer les sites photoélectriques ou autres. On peut les aider à faire la transition le plus rapidement possible, de façon à ce que ça chauffe le moins possible. Mais nous, notre action ne fera que simplement nous protéger contre les manipulations de l'Arabie Saoudite. Je crois que c'est important de signaler le fait que l'Arabie Saoudite et tous les pays pétroliers, c'est vrai de l'Amérique, ont intérêt à vendre le plus cher possible, le plus longtemps possible, leur pétrole. Parce que quand tout le monde sera passé en énergie renouvelable, ils n'en vendront plus. Ce sera la fin de leur économie qui est basée que sur ça, pour les pays pétroliers du Moyen-Orient. Donc leur seule solution, et pour ça, ils nous manipulent parce qu'ils font un prix élevé, je ne sais pas si on en avait parlé tout à l'heure, ils font un prix élevé qui fait que ben, les gens râlent et essayent de développer l'énergie renouvelable. Puis après, pendant 6 mois, ils vont baisser à fond les prix de façon à ce que tous les projets d'énergie renouvelable se cassent la figure. Comme ça qu'on a vu toute une série de projets d'éoliennes en mer et d'hydroliennes là qui ont disparu parce que ça revenait trop cher. Et puis après, aussitôt après, ils augmentent le prix du pétrole. C'est ce qu'on voit maintenant. Hein? Donc, donc, négawatt. De toute façon, c'est utile de se dégager du pétrole pour plus être dépendant des intérêts étrangers sur le pétrole. Nous, on n'a pas de pétrole, on est complètement dépendant d'eux. Donc là, je laisse de côté pour l'instant le nucléaire. Je voudrais parler sur. Donc c'est important de faire des économies d'énergie, pas pour le climat, pour nous, pour notre économie, pour notre futur. Et donc ça, c'est le premier point. Et effectivement, le scénario des gigawatts, de dire commençons par ne pas créer l'énergie dont on n'a pas besoin, c'est-à-dire éviter de la gâcher, c'est vraiment fondamental, hein, économie d'énergie. Mais à côté de ça, quand on fait de l'urbanisme avec la chaleur qu'on va avoir, quand on fait de l'architecture, c'est pas en isolant énormément les maisons qu'on va résoudre tous les problèmes, parce que les maisons qui sont énormément, s'il fait chaud, on crèvera de chaleur dedans. Donc en même temps, il faut les redessiner pour avoir des ventilations comme étaient les maisons andalouses autrefois, avec des patios, avec des cheminées naturelles à l'intérieur, etc. Il ne suffit pas de les isoler. Or actuellement, qu'est-ce qu'on fait? C'est on isole. Hein? Donc, or, isole, ça veut dire que ces maisons seront inhabitables quand il fera trop chaud. Mais il faut aller plus loin. Ah Il oui. faut en même temps penser changement climatique. Donc négawatt, c'est vraiment important, mais ça va pas, ça règle une partie du problème, ça ne règle pas tous les problèmes. L'adaptation, ça demande beaucoup plus. Maintenant, pour parler du nucléaire, pour moi, c'est un problème qui est complètement à part. Ça donne une espèce de facilité au gouvernement actuellement pour dire la France est vertueuse, mais c'est évident que c'est quelque chose à très court terme, parce qu'on règle, un, ce qu'on appelle les externalités négatives, on ne compte pas les coûts
qui sont on paye en fait dans l'EDF uniquement les coûts d'entretien des centrales nucléaires. On paye pas leur futur démantèlement, on paye pas les problèmes des déchets qui sont un vrai problème. Et pour ces problèmes-là, la seule solution, ben, je dirais, moins on aura de déchets et de centrales nucléaires à régler, plus on le fait tôt et plus on le fait progressivement, ben, plus ça sera facile de gérer le problème. De toute façon, il faut s'en débarrasser. Parce que c'est de toute façon, c'est une énergie qui est dangereuse. On a eu suffisamment d'accidents pour le savoir, c'est une énergie qui est très dangereuse. Et en particulier, quand c'est des raisons économiques qui la poussent, parce qu'on prend de moins en moins de précautions de sécurité, parce que ça coûte trop cher. Alors, on a une mobilisation, donc, comme on le disait tout à l'heure, à tous les niveaux. Ouais. Mais il y a encore une grande résistance de la part, par exemple, de Trump aux États-Unis ou de la part même de certaines collectivités à mettre en place des plans climat, air, énergie territoriaux. Est-ce que, voilà, est-ce qu'on pourrait pas se poser la question, comme le fait Marie-Monique Robin, qu'est-ce qu'on attend? Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors pour moi, il y a deux choses différentes. Trump et autres, c'est simplement parce que je dirais leurs électeurs les poussent à faire ça. Hein. En même temps, en Amérique, il y a la Californie qui est en pointe au niveau mondial hein, sur ces problèmes-là. Donc ça, c'est le premier problème. D'autre part, Monique Robin et qu'est-ce qu'on attend, c'est vraiment important, les messages qu'elle fait passer. Mais je dis, le problème de base, c'est que les gens n'agissent pas si ils n'ont pas du plaisir à agir. On a besoin, le cerveau a besoin d'oxygène, a besoin d'attirer une circulation, et pour ça, c'est par le plaisir que le cerveau travaille bien. Et donc, tant qu'on continue à faire des catastrophes et à prédire des catastrophes, ben on va arriver aux catastrophes. Hein. C'est comment s'appelle, les colporteurs de malheur, on appelait ça autrefois. Hein. Si on a une vue plus optimiste, c'est ce qu'on dit, on va gagner. Hein. Les résistants en 40, c'était pas facile de résister. N'empêche qu'ils y croyaient, ils se sont bagarrés, ils ont gagné. Les Gandhi, la libération de l'Inde, après ça, ils ont eu des problèmes, mais n'empêche qu'ils ont réussi parce qu'ils y croyaient et qu'ils se sont battus pour. Donc vous restez optimiste. Je suis optimiste si vous venez avec moi, si on n'a pas tous, et qu'on agit. Si on n'agit pas, ben c'est tant pis pour nous. Bon, ben on va y aller alors. Absolument.